to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Votre femme vous a plaqué. Vous souffrez d'une tumeur au cerveau. Vous avez analysé les résultats des élections européennes. Vous êtes en pleine dépression. J'ai l'album qu'il vous faut. Une douce fin de vie au son de Pink Floyd. Car oui, le nouveau airbag est arrivé et il est gai comme un pinson. Du airbag, quoi. Mais voilà, je suis un inconditionnel du trio depuis leur début. Pourtant, je vais plutôt bien. Enfin, je crois. Century of the Self livre 5 morceaux pour un peu plus de 3 quarts d'heure de musique. Donc fatalement, il y a des longs formats. 2 en fait. Dysphoria, qui ouvre la galette, et Tear It Down, qui le conclut. Alors, sans surprise, Airbag fait du airbag. Encore que. Un prog guilmourien planant sur la voix plaintive de Hal Stostrup. Ce qui change un peu sur cet album, c'est la basse hyper présente qui domine même parfois la batterie. La production du dernier opus de Airbag est une pure merveille ciselée. Certes, la partition n'est pas d'une grande densité instrumentale, mais n'empêche, j'adore ce son limpide et cette galette possède également des basses très travaillées. C'est particulièrement flagrant sur le dernier titre qui joue les grands écarts. C'est dans ces moments que l'on goûte le bonheur d'une bonne hi-fi. Tout le contraire du dernier album de Evergrey qui est une véritable catastrophe. Si Airbag a longtemps donné dans le Gilmourish, Century of the Self, sans renier son passé, explore d'autres univers et le travail de Bjorn Riis sur les guitares comme sur les basses est tout simplement fabuleux. Il faut également écouter comment Henrik Bergan Fossen habite la batterie par moment. Si des fois cela peut paraître minimaliste, écoutez bien le Tear It Down. Le monsieur nous donne une leçon de prog. Les couplets de Dysphoria possèdent un parfum psychédélique auquel se raccroche un refrain nettement plus à la sauce Airbag et un instrumental où la basse sonne de manière incroyable pour revenir au mood floydien vers la fin. Tyrants and Kings possède la ligne vocale classique de Airbag et une écriture très linéaire sortie de l'envolée de guitare qui conduit au break final. Awakening est le plus acoustique des 5 morceaux. Écrit à la manière d'une ballade bluesy, il aère agréablement l'album alors que Erase épouse une forme rythmée à la manière de Porcupine Tree. Une sorte d'électrochoc au fabuleux, fabuleux solo de guitare. Terminé, Airbag propose un quart d'heure de Tear It Down, un morceau tout en progression où seul le riff du refrain me semble un petit peu facile en comparaison du reste. Century of the Self est assez différent de A Day at the Beach, nettement plus épuré et moins floydien également, même si on y retrouve les ingrédients propres à Airbag. Le virage pris par le groupe me plaît énormément et l'album rentre de ce pas dans mon top de l'année. Ça méritait bien une chronique un petit peu plus longue et une édition vinyle, surtout avec une telle production, croyez-moi. Mais vous pouvez quand même l'écouter sur Bandcamp, c'est possible. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour un nouvel album. D'ici là, écoutez de la musique et soutenez les artistes en allant à leurs concerts.
Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette chronique, et si vous voulez suivre les autres, abonnez-vous. Bisous !